lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Où est le filet avant qu'ils arrivent? Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Et je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires? Hey, écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Ryan! Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux! Quoi, vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout! Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie. Ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer. On y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte dans les grands gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftinger Jack, à l'ouest. Non. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Attends, attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers? Allez,
Couvre-moi. Je te suis, mec. Il est parti par là. Allez. Où est-ce qu'il va? Il y a rien ici. Par ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté à son sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça finit par le rattraper. Hé, hey, hé, attends, doucement. Doucement. Merde. Bon, ok. Alors. Attends, attends, là. C'est par là. Les traces sont fraîches. Au fait, où t'as appris à pister comme ça? J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. On pistait des bêtes sur les kilomètres. Oh! À couvert! Frangin ? Ouais, ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va. Il a sûrement pris par là, vers la cascade. Il pisse le sang. Bon. Il ira pas loin, allez, viens. Fouille-le. Tu te vides, hein ? Sale façon de crever, c'est lent. Oui, ça fait un mal de chien, mais ça, tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs, Léon? Si tu te mets à table, moi, au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps, Léon. Je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. On va te faire. Adieu, Léon. Attendez, attendez! D'accord, d'accord. Partez pas. C'est juste. Là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. Ça veut dire que. Vas-y. Laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré de menteur! T'as pris la bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en mutant. Même un enfoiré comme Léon. Hé, hey, minute. Je veux fouiller ce camp, au cas où il y aurait quoi me rafistoler. Ça peut m'être utile. Bon, reste à combiner les deux. Voilà, comme ça, ça devrait le faire. C'est pas aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit et rapporter quelques primes à Tucker. Bah, s'il pleut des cordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. D'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit dehors. La vache, je manque d'exercice. Je
Je vais voir si je peux prendre des pièces. Non, mais bordel. Quoi? Le fils de pute. C'est l'arrivée de l'essence ou tu t'es pissé dessus? Les pompes à carburant. Léon, ouais, il m'a flingué ma pompe en fluor. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on n'a qu'à retourner au Mont O'Leary. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Hey, la file est quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Et tu penses que c'est différent dans le nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe. J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Ouais. Ouais. Pousse ! Fais le sortir de là ! Cette fois, je... Allez, tue-le ! On approche du vieux checkpoint du Nero. On y est presque. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. On dirait qu'ils sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné. Il t'a plutôt finir 6 pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais. Regarde-les. Quelle bande d'abrutis, tout ce temps. On dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. Tu sens ça? Oh putain! Ouais bon. Allez, viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, ouais, c'est ça. La vache.
Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. Mec, je crois qu'il est mort. Tu vas me péter mon fusil. Ouais. Ok. Ok. Tu vas y retourner, hein? De quoi tu parles? Putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Par responsable de ça. Je t'en ai dit quoi, Lester? Ce qui va changer, c'est que tu serais mort. À toi les primes. Ok. Ferme-la, saleté. Bon, on passera pas par là. Hé, hey, essaie le tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Braque ton phare par là-bas. Ok. C'est bon, on a compris. Encore des mutants! Ouais. Encore un nid. Je le sens. Il te reste combien de Molotov? Oh, tu viens d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en faire? Ouais, ouais. Ce sera pas lent. Ça fera l'affaire. J'arrive. Ouais, ouais, j'arrive. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. De partir vers le nord. Moi, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait les idées. Demain matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça, ça me plaît. Bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Merde.
façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans le coffre! Saleté de tétard. Allez, fichez-moi le camp, saloperie. Qu'est-ce que t'as fait tomber? T'es prêt? Pas encore. Faut que je trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement une pompe à carbu. Bon bah grouille-toi. Je viens de passer un de ces... Comment t'appelles ça déjà? Les trucs que les Reapers accrochent. Des totems. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont dans les parages. Ça t'a plu ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part.
Boozer, t'es là? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Dick! Des Reapers! Des Reapers! Non, non, non! Merde! Des Reapers! Boozer! Boozman! C'est pas vrai! Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort, les symboles des égarés. Lâchez-moi, bâtard fils de pute. Hé, Motard, tu dois être déchu, Motard, car tu es égaré et nous avons été dominés. On va te montrer. Toi, ne pas été trouvé. Tu es égaré. Renonce. 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 Lâchez-le! Fils de pute, ça suffit! Boozer! Oh, je vais te faire la peau jusqu'au dernier point! Oh, c'est pas vrai. Et merde! Attends, je t'aide. Non, non, c'est bon. Arrête, fais pas fort, allez, debout. Foiré de Reaper! Faut pas qu'on traîne. Aurélie! Je m'attendais, je sais pas, putain! On s'est tombé dessus, j'ai rien compris. Ok. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras. Je suis sérieux, regarde pas. Le regarde pas, je te dis, allez, monte. Ah, la vache. Putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça n'a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand-chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey, j'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé hey, laisse mon fusil à pompe. Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui.
bon sang, Boozer. L'état de ton bras va s'aggraver. Fais chier. Faut que je trouve de quoi soigner son bras. Boozer, t'es réveillé? Ouais, Dick. Quoi de neuf? Hey, je viens de voir un type fureter près de la planque. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Bon, écoute, je vais le suivre et essayer de voir s'il y en a d'autres. Terminé. Qu'est-ce que t'as trouvé? J'avais raison. Les deux drifters qu'on a vus sur la même moto, ils se cachent un peu plus loin sur la route. Ah ouais? Tu déconnes? Ils ont une planque de fou. Une sorte de tour de guet avec une clôture et tout. Reste plus qu'à leur prendre. Ça a l'air cool. Moi, je dis qu'on attend la nuit. On bute ces deux clowns et... Ouais. Allez, on va faire foudre. C'était le dernier. Ils ont dû nous suivre jusqu'ici. Enfoiré. Approchez pas du mont Oléry. Boozer, j'ai trouvé leur camp. Non, juste des drifters qui voulaient nous piquer notre planque. Ça se confirme. Il serait temps de songer à bouger vers le nord. On s'occupe d'abord de ton bras. On verra après pour tailler la route. Je retourne vers ma moto. Terminé. Oh, saloperie de mutant. Qu'il pleuve. Où est-ce que je suis? Je dois plus être loin.
faut que je retrouve ma moto. Je dois plus être loin. Je me rapproche. Allez, ma belle, où t'es passée? Voilà, j'y suis. C'est là que je l'ai laissé. Ma bécane. Putain! Chier, Copland! Hey! Tu viens du camp de Copland? Putain, où est passée ma moto? Hey! Arrête-toi, putain de merde! J'ai pas piqué ta moto, mec! Je te jure! Je vais pas te buter! Arrête-toi, bordel! Oh, bordel de merde! Parle à Copland! Moi, je suis au courant de rien! Hey! Je veux juste ma bécane! J'ai rien fait, moi! Ok, là, je vais écouter. Loser, t'es là? Ouais, Dick, t'as trouvé ta moto? Non, les hommes de Copland ont mis la main dessus. Je me dirige vers son camp. Terminé! Quelqu'un? C'est toi? Laissez-le passer. Un fils de pute a piqué ma moto! Je suis pas au courant. Tu devrais parler à Manny. Ouais. Ok. C'est lui que je voulais voir. Hey. Tu crois que les mutants ont des souvenirs? Tu sais, de leur vie d'avant? Salut, Manny. Salut, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Ou alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Faut bosser dur ici. Eh ouais, la vie de campeur, quoi. Ouais, tu l'as dit. J'ai lu un livre une fois, Le Zen et l'art de la mécanique. Tu connais? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. Tu sais, je tenais un garage à Farewell. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité, que ça disait. Essaie de bosser l'estomac vide, ça tranquillise l'esprit. Manny, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas? Parce que elle vient juste d'arriver. Un abruti l'avait abandonnée dans la nature. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son proprio devait rien y connaître en moto. Sans mec. Je te jure, elle a dû en voir de belles. Là, on vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbu. Ça aurait pu nous servir. Ouais. Et une pompe à carbu comme celle-là, tu veux dire? Ok. Comme celle-là, Manny. Ok. Quand j'ai dit abruti, je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou, tu vois. Il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière. Et... Dick, faut qu'on parle. Grabuge, on dirait. J'ai suivi une grosse attaque hier soir. Encore des Reapers. C'est la deuxième fois. Il y en a qui pensent qu'ils vous cherchaient, Loser et toi. Oh, les gens disent des tas de choses dans le No Man's Land. On a vite été dépassés. Les gens s'entraident ici. Qui ont commencé dans la nuit. Mais quand on manque de vivre, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes en pénurie? Pêche de la truite, la fonte des neiges alimente le lac. Et sans personne pour le réapprovisionner, on finira par en manquer. C'est comme pour tout. Tu es un type pour lui piquer ses courses. C'est ta
Quand j'étais gamin, j'allais chasser avec mon père. Pour voir s'ils allaient bien. On construisait une cachette. On faisait des pierres à sel. Et on faisait un vrai carton. L'hiver, on croulait sous la viande séchée. Je pensais que c'était pas légal d'appâter les cerfs, à l'époque. Mon père obéissait à une seule loi. La Constitution des États-Unis. Si vous voyez aujourd'hui, l'Amérique, le pays de la liberté. Tu l'as dit. J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai? J'ai des gens qui souffrent ici, Dick. Ah, ce Léon-là! D'après toi, qu'il a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute, tu trouves son matos. Tu me le rapportes en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto que tes gars ont volée, tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérer, Dick, récupérer. C'est ça. Je tâcherai de m'en souvenir. Sympa ta casquette. Quoi ? Là, celle-ci. Je t'interdis de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non ? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp ? Commence par me rendre service. Poup ! Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux ? Je préfère ça. Des drifters attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Leary. C'est pas sur ton territoire ? Non, ça l'est pas. Mais je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. Dick, comment ça... Dick. Attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. Je savais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane ? C'était une moto de drifter, Manny. Je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto ? Je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Manny ? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup ? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégage de mon chemin. Je vois bien tout ce que... Que t'as fait pour le camp ? Il y en a beaucoup ici qui seraient pas là sans toi. Manny. Salut, Dick. Attends, je te... Putain, c'est pas une bécane, ça. Loser, t'es là ? Ouais. Comment ça va ? Et ton bras ? Je te l'ai dit, je survivrai. Ok. Je vais quand même voir au checkpoint du Nero s'il y a des bandages stériles, la pommade ou un truc du genre. Ok, pas de problème. Je vais sortir pour vérifier qu'il y a personne dans le coin. Non, bougeur, non ! T'es brûlé au troisième degré. Reste où t'es, repose-toi, d'accord ? J'arrive le plus vite possible. Bon. Je crois que... Pardon, oui, donc ? Je crois que... Ok, on disait... Je crois que...
dirait pas non à un truc contre la douleur. Ouais, si tu m'étonnes. Je vais voir ce que je peux trouver, je vais essayer. Bingo, le voilà. Un bidon d'essence. T'en avais bien besoin. Ça doit le faire. Ah, et voilà. Voilà. T'as intérêt de marcher, t'as de ferraille. Ouais. Stérile. Où est-ce qu'il a rangé ces trucs? Ouais, des bandages stériles. Pile ce que je cherchais. Il me reste plus qu'à ramener tout ça à Boozer. Tiens, salut, toi. C'est quoi ce truc? La technologie Néron? On dirait une espèce d'injecteur, peut-être. Pourquoi pas? Boozer, t'es là? Boozer, réponds-moi, merde! Il répond pas. Où est-ce qu'il est passé? Saint-John, ici Cope. Tu seras à la tour. Les ondes radio ont été coupées. Je peux m'aider pour la rétablir. Tu les connais, ces types, ou quoi? Parce que faire tort. Ces types ou quoi? Parce que faire taire Radio Libre Oregon, ça me semble assez personnel.
m'étonne que c'est personnel. Ils faisaient partie de mon camp. Apparemment, ça leur plaisait pas que je leur interdise de voler, de violer, de tuer. Peut-être qu'ils étaient juste comme moi, qu'ils en avaient ras-le-bol d'écouter des conneries de complotistes parano. Terminé. Encore une chose. En partant, ils ont apparemment volé des armes automatiques et quelques fusils de chasse. Alors fais bien attention. Oh la vache, Cop. Merci du tuyau. Je fais ce que je peux. Terminé. Fais ce que tu peux, enfoiré. Hey, Boozer, j'ai trouvé des trucs pour ton bras. Boozer ? Merde, Boozer ! Hey ! Oh ! Putain ! Bordel, Dick. J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abruti. Bon, montre-moi ton bras, d'accord ? Non. Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras. Je gère ! Hey ! Putain ! Hey, Dick. Merci, mec. Écoute, j'ai moins tiré, d'accord ? Ça va aller. Que tu dis de ça ? C'était le dernier. Oh, mais putain, Cope, combien de mecs t'as mis en rogne ? Alors, ça doit être ça, le générateur. Il est complètement bousillé.
ça devrait être bon. Et voilà. Halt ! Si t'avais des balles, tu m'aurais déjà flingué. Je me trompe. Je vous en prie. Si j'ai le choix, j'évite de tuer des femmes. Est-ce que j'ai le choix ? J'ai rien du tout. Et nulle part où aller. Putain de merde. Bon. Voyons s'ils avaient un bunker souterrain dans les parages. Hello. Une carte avec pas mal d'annotations. Plus. Dick, tu me reçois ? C'est peut-être rien, mais j'ai cru entendre des moteurs de bécane. Ça avait l'air de venir de la montagne. Je viens de finir de libérer la tour radio pour Copland. Je vais l'escalader pour voir s'il y a quelque chose de suspect. Ça va ? T'as pas l'air. T'as pas l'air dans ton assiette. C'est rien. C'est... Je me suis juste laissé surprendre par une drifteuse. Heureusement, elle était à court de munitions. Tu l'as laissé partir, je me trompe. Oui, ok, merde. Je l'ai laissé partir. Et quoi ? Un de ces quatre, Dick. Tu vas te faire tuer à cause de tes principes. Ouais, bah, faut bien qu'un truc me tue un jour ou l'autre. Peu importe ce que ce sera. Terminé. Putain, ce que c'est haut. Alors, voyons ce que Boozer a entendu. T'avais raison, il y a quelqu'un sur la montagne. Je vois la fumée de leur feu de camp. Ah putain de merde, je savais bien que j'avais entendu un truc. Ils sont où ? Je vais y aller. Non, putain de merde, Boozer. Faut laisser guérir ton bras pour qu'on puisse foutre le camp d'ici. Je vais m'en charger. Merde. Écoute, c'est juste que... Essaie de pas t'endormir, au cas où il viendrait dans ta direction, terminé. J'y suis, presque. Allez, continue. Oh, ça me tue, ce truc.
Saint John pour le camp de Copland. Ça y est, c'est réglé. La tour radio est sécurisée. Ta liaison radio est rétablie. Bien sûr. Tu vois peut-être aucun intérêt, Saint John. Les radios libres Oregon est la seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages. Non, Cope. La seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages, c'est la bouffe. Essaye de pas manger pendant 3 jours, tu verras. On crève de faim. Y a plus de patrie qui tienne. Eh bien, mon cher, j'espère que tu me trompes sur ce point. Terminé. Guzman, t'es réveillé? Je suis en chemin pour le camp que t'as repéré, au nord du mont. Qu'est-ce qui se passe? T'as une idée de l'endroit où tu vas? Je le saurai quand j'arriverai. Terminé. Guzman, t'avais raison. Ils se sont installés le long du chemin de fer. Tue ces enfoirés jusqu'au dernier. C'était au programme. Terminé. Chopez ce bâtard! Il l'a tué! Bowser, c'est fait. Le camp de squatter. Maintenant, ils tueront plus personne sur le mont O'Leary. Fais chier. Dick. J'aurais dû être là. Être là pour t'aider. Merde. Allez. Reste tranquille, Bowser. Repousse-toi. On roulera vers le nord quand ton bras ira mieux, ok? Ouais, d'accord. Terminé. Au cimetière pour voir si je peux pas trouver la cage de Léon. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Contente-toi de te reposer, Bowser. On file vers le nord. Contente-toi de te reposer, Bowser. On file vers le nord dès que tu pourras conduire. Vers le nord? Guzman, non. Tu sais bien que je partirai pas vers le nord sans toi. Ouais, je sais. Je suis juste un peu à côté de la plaque. Avec des brûlures au 3e degré, c'est pas étonnant. Ouais. Bon. Charge-toi d'Alvarez, si tu veux. Dick. C'est important pour moi. Fais attention à elle, Guzman. Repose-toi maintenant. Terminé. Un type est arrivé, complètement défoncé. Il a vidé son chargeur et il s'est tiré. D'après Manny, il y a un réservoir où chauffe sa moto et il portait un casque de motocross argenté. Ok, si je pars maintenant, j'arriverai peut-être à l'attraper. Je le veux vivant, Dick. Vivant?
vivant. Rappelle-moi si tu le chopes. On viendra le chercher pour le pendre, ce fils de pute. Il est temps qu'on montre à ces enfoirés de drifters qu'on fait régner l'ordre dans ce camp. Je dis pas ça pour toi, hein. T'inquiète. Dick, t'es là? On se descend au camp de bûcheron pour me débarrasser des nids. On voit de plus en plus de mutants par ici. Boozer, non. Non, tu vas finir par y rester. Il faut que t'attendes d'être rétabli. D'accord? Je suis pas loin de toute façon. Je vais m'occuper de ces nids. Ok? Ouais, ok. Merci, Dick. Non, il vaut mieux attendre la nuit. Pendant qu'il fait encore jour, ils seront plus nombreux mais moins malaises. Forcément ça. Bon, où t'as planqué le matos, Léon? Peut-être dans un de ces trucs. Bingo. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Boozer! Boozman, tu m'entends? Tu vas pas me croire. Je viens de voir un putain d'hélico, tu m'entends? Un hélico? Mais de quoi tu me causes? Un hélicoptère du Nero! Il m'est passé au-dessus de la tête sans même me calculer! Et après tout ce temps, des fédéraux qui débarquent en hélico? Je vais les rattraper, et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent! Hey Dick, fais gaffe. Approche pas trop avant d'avoir une bonne idée de ce qu'ils fabriquent. Et fais pas de conneries. Mais non, je vais pas faire de conneries, ça va. Attends, attends! Ils ralentissent! On dirait qu'ils s'arrêtent! Attention, ce périmètre est totalement verrouillé.
Chercheur du Néon, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Faut que j'aille voir, je comprends ce qu'ils font. Bon, c'est parti. Discretos. Si je lance une pierre, ça pourrait défendre leur attention. Quelqu'un entendu? S'ils me voient, je suis foutu. Il faut que je reste planqué derrière les buissons, lui. Tire-toi de mon chemin. Thank you.
Boozer, tu m'en sois? Boozer, réponds! Dick, salut, bonsoir. Il faudrait qu'il défende, ouais. Le mec, il est un soldat ou je sais pas quoi. C'est lui qui a emmené Sarah. Attends. Porter un. Il portait un badge. Il y avait quel nom dessus? Oh putain, O'Brien. T'as parlé que de lui tout le long du chemin jusqu'au Threefinger Jack. Ok. Il est vivant, Boozer. Il est vivant. C'est pas possible. T'as vu comme moi que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute, je suis entré. Dans leur zone d'atterrissage. Wow, t'es entré dans leur ZEDA? Mais t'es complètement... Hey, écoute-moi, j'ai entendu leur communication radio. Ils parlaient d'un certain O'Brien. Nick, fais pas ça. Non, Boozer, t'inquiète. Je vais juste... Essaie de dormir un peu. Terminé. Nick, t'es là? Je m'emmerdais. Je me suis dit qu'il fallait voir si je savais encore faire des choses. Passe quand tu peux, je pense que ça te plaira. Merci, Boozer. Ouais, je passerai dès que possible. Terminé. Encore une unité médicale mobile. Ok. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Et voilà le travail. Qui se souvient des quartiers pauvres de notre beau pays? Des gens obligés de vivre dans la rue, dans des cartons ou des tentes, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre le fameux rêve américain. Certains de ces gens avaient combattu pour la nation. Et les fédéraux les ont largués comme des merdes. SSPT. C'est pas les initiales de syndrome de stress post-traumatique, non. Ça veut dire soldats sacrifiés et pauvres tâches. On est tous des SDF maintenant. On vit dans la nature comme nos ancêtres. Les fédéraux croyaient qu'on avait besoin de leurs allocations et de leur largesse pour survivre. Mais on leur a montré qu'ils se foutaient le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, on a besoin de volonté, voilà. De détermination et de confiance. Et ça, on l'aurait jamais eu avec les fédéraux. Et vous, si vous voulez gagner notre confiance, va falloir la mériter. C'est verrouillé. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. C'est cool, ouais, c'est cool. Et voilà, on s'en lasse pas. Ça y est. Et on a le feu vert. C'est bon signe, ça. Et voilà.
truc contient quelque... Ouais, un injecteur du néant. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Quand l'enfer sur Terre a débarqué, ça n'a surpris aucun de ceux qui m'ont écouté quand le monde a commencé à partir en couille. Moi, j'ai eu de la chance. La plupart de ceux qui ont été vivants, ça s'est mal fini pour eux. Les cimetières sont pleins de martyrs. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer leurs bobards et leurs manipulations. Je le sais. Parce qu'on a voulu me faire taire aussi. J'ai lancé Radio Libre Oregon quelques semaines avant la chute des fédéraux. J'émettais depuis un fourgon banalisé que je déplaçais de ville en ville. C'était avant que les routes soient obstruées et les ponts détruits. Une dernière tentative d'arrêter les mutants. C'était Mark Copland pour Radio Encore Libre. Vous les mêmes. Ne gobez pas les mensonges. Est-ce qu'on va laisser traîner cette fois? Non, Cop. Les cimetières sont remplis de mutants. Pas de martyrs. Et si t'as pas arrêté de bouger? Voilà le générateur.
Et voilà, on ne s'en lasse pas. Et voilà. Ça y est. Fais chier. Les plombs sautés. Ça doit le faire. Non, pas par ici. Un fusible. Cool. Je peux arranger ça. C'est reparti. Le feu vert, c'est bon signe, ça. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, ça devrait être bon. Et voilà. Ouais, un injecteur d'inhérent. Maraudeur. Faut que je l'aide. À l'aide ! Ici, je vais te sortir de là. Tu veux crever là-dehors ? Écoute, il y a un camp. Non, non, non. Où ça ? Je vais y aller. Peaceful Lake, Mark Copland. C'est un lieu sûr. Ah, merci infiniment. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Dis-leur que c'était Deacon St. John. Continue à courir et te fais pas repérer. Huh?
pas l'air trop grave. Sur les routes du coin. Ah ! L'un qui traverse. Mon pote, à une époque, ça aurait été une mauvaise idée, et en fait, ça l'est toujours. Zone de nidification. Il faut que je la détruise. Il faut que je nettoie la zone des grouilleurs. Ils sont où, Tucker et Alkaï? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis... Putain. Je te le répète, tout ça n'est qu'un champ de roches volcaniques géant, sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait des marteaux-piqueurs. Ah, pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Hey, ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme, il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Al. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Al. J'ai autre chose à faire. Les Reapers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne les a arrêtés? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils allaient vers le nord? Al! Est-ce qu'il venait vers nous? Oui ou non? J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, du con? De quoi est-ce que tu me parles? Bon sang, Alkaï! C'est pas à lui de savoir ça! C'est ton putain de boulot à toi! Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Reapers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins con. Stop! Est-ce que t'as retrouvé Léon? Oh,
contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Ça fait combien de temps que tu nous as pas ramené un survivant ? Ce qui reste encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu 2 morts de plus. C'est pas mon problème. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi, mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Boozer ? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour Cope. Son camp est proche du vôtre ? Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Boozer. Il va où ça lui chante. Putain, viendront les déterrer, mais... Putain. L'odeur est vraiment... Vous laissez ce truc brûler jour et nuit ? Mais comment qu'on le laisse brûler ? Avec tous les drifters qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres de mutants. Essayez en mettant plus d'essence. Ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera à sec, comment tu feras le plein de ta moto ? Tu pisseras dans le réservoir ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Le compte y est pas. Il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garde hier soir ? Wheeler. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire, ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis ? Comme je disais, un camp, c'est comme une prison. Un ramassis de feignants, de menteurs, de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Et tu sais pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et hargneux ont survécu. Plus monstrueux que les mutants. Et les autres sont là. À espérer que je leur offre le gîte et le couvert. Pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé, hey, toi ! Remets-toi au boulot ! M'oblige pas à aller chercher Cyrus ! Bande de rien. Ils peuvent se tourner les pouces tant qu'ils veulent le soir. Mais leur journée m'appartient. Gérer un camp, c'est un peu comme gérer une prison. Je me souviens plus, t'étais quoi ? Directrice de prison, un truc comme ça ? Rien d'aussi important. J'étais gardienne chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier ? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Fox, il a aperçu quelqu'un. Il aurait dû une jeune fille, mais il l'a vu en coup de vent. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu pour toi. Il est sûr de lui ? Larsen a autant de bouteilles que toi. Il sait reconnaître un humain d'un mutant. Mais t'es taillé pour cette mission. Trouve-la, avant que les mutants le fassent. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Doug, je veux le reste de mes crédits, pour Léon. Ramène-moi d'autres survivants, et je te couvrirai de crédits. Faut que je trouve Wheeler. J'en connais un qui va passer la nuit au trou. Alkaï. Tu veux quoi, Drifter ? C'est quoi ton problème ? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du RIP, du côté d'Iron Butte. Évidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé. Au sujet de 2 motards, 2 hommes. Pour savoir s'ils les avaient vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le Reaper a parlé de Mongrel. Combien de drifters portent encore leur couleur ? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible ? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as, parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick.
T'as besoin d'autre chose ? Je peux faire autre chose pour toi ? Besoin d'autre chose ? Excellent choix. Ok, ok. Je bouge pas. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. On peut pas partir vers le nord si j'ai pas du matos de meilleure qualité. Va pour Tucker. Salut, Tuck. T'as récupéré mes médicaments ? Ouais. Copland voulait que je les lui vende, mais je t'avoue que je sais qui sont mes amis. Et comment ? Va voir Alkaï. J'ai entendu dire que Larsen avait dégoté plusieurs fusils. Tu trouveras peut-être ton bonheur. Retourne travailler. Allez, va bosser.